a tutti e bentornati nel mio canale! In questa lezione vediamo insieme la traduzione di j'aime e je n'aime pas in italiano. Alors, les expressions j'aime e je n'aime pas qu'on utilise per exprimer un goût corrispondono in italiano a mi piace e non mi piace. On utilizza quindi il verbo piacere a qui est un peu littéralement traduire par plaire à quelqu'un. Piacere est utilisé hum, avec euh, un complément d'attribution. Dans ces cas-là, mi piace, mi euh, est le euh, pronom personnel d'attribution pour la première euh, personne du singulier. Ou je euh, peux dire aussi à me piace et par conséquent si qui était complément objet direct avec le verbe aimer en français devient sujet en italien par exemple en français je dis j'aime les cinéma ». le cinéma est complément d'objet direct et en italien devient mi piace il cinéma il cinéma est le sujet de la phrase il cinema mi piace. Plaire à quelqu'un. Donc si qu'elle a, piace a me. Et alors, on peut également utiliser cette expression devant un verbe à l'infinitif. Mi piace cantare. A me piace cantare. J'aime chanter. Mi piace guardare la televisione. A me piace guardare la televisione. J'aime regarder la télé. Mi piace studiare. A me piace studiare. J'aime étudier. Et pour ce qui concerne la forme négative, je n'aime pas, il suffit de rajouter les mots non devant l'expression et on obtient donc non mi piace. Par exemple, non mi piace. Lire. A me non piace leggere Je n'aime pas lire. Non mi piace la caccia. A me non piace la caccia. Je n'aime pas la chasse. Mais attention, on utilise mi piace. Et non mi piace seulement devant un mot singulier ou un verbe en infinitif. Parce que on a dit que le complément objet direct en français devient sujet en italien. Et si le sujet de la phrase est au pluriel, il faudra donc penser, faire l'accord avec le verbe piacere. Et si on a un mot au pluriel, il faut utiliser la forme plurielle du verbe piacere. Il faut donc euh, prendre la troisième personne du pluriel du verbe piacere. C'est-à-dire « piacciono » ou « non mi piacciono » pour la forme négative. Et alors, si je dis en français « j'aime les chiens », je dis en italien « mi piacciono i cani »« A me piacciono i cani »« Mi piacciono i fiori »« J'aime le fleur » Pour la forme négative, « non mi piacciono gli spaghetti »« Je n'aime pas le spaghetti » Mais attention, une autre chose à retenir importante est que euh, quand je vous euh, donne les deux formes que vous pouvez utiliser, mi piace ou a me piace, et, attention à ne pas mélanger les deux. Soit je dis mi piace, soit je dis a me piace. Je vous laisse quelques phrases à compléter. Avec mi piace ou mi piacciono » pour euh, comprendre si vous avez bien appris euh, la différence. Je vous laisse les solutions de l'exercice juste en bas de la vidéo. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. On se voit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Merci à tous. Grazie à toutes.